Well, joining us now, Tom Fitton. He's the president of Judicial Watch. Sidney Powell, General Michael Flynn's defense attorney, former federal prosecutor, best-selling author. I want to say, first of all, thank you both for being here, and I appreciate it. Sidney, let's start with this election process. We just heard from John Solomon that the FBI indeed is being diligent, is involved, and we all hope he is exactly right. Your thoughts first about the knowledge now that the Justice Department is involved in this review of the election. Et je suis ravie de l'entendre et je pense qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ils doivent enquêter, y compris la probabilité que 3% du total des votes aient été modifiés lors de la préélection, les bulletins de vote recueillis numériquement en utilisant le programme Hammer avec un logiciel appelé Scorecard. Cela aurait représenté un changement conséquent dans les votes qui se sont produits à travers le pays, et ça explique beaucoup de ce que nous voyons. En outre, ils ont exécuté un algorithme pour calculer les votes dont ils pourraient avoir besoin pour M. Biden dans des lieux spécifiques. Je pense que ça explique ce qui s'est produit dans le Michigan, où le bug informatique a entraîné un changement d'environ 5500 voix et en faveur du président Trump dans un seul des 47 districts. Tous ces districts doivent être vérifiés pour ce même, je cite, bug du logiciel qui, je cite, changerait radicalement les résultats dans le Michigan. La même chose se passe dans d'autres États où nous avons reçu des centaines de milliers de bulletins de vote qui apparaissent mystérieusement juste pour M. Biden, ce qui est statistiquement impossible, mathématiquement parlant. Tom Fitton, en écoutant Sidney, ça semble être une affaire solide pour une simple allégation de fraude. Les deux programmes qu'elle vient de mentionner, je veux dire, en avez-vous déjà entendu parler? Parce que je n'en avais jamais entendu parler. Non, il y a eu des rumeurs sur Internet, mais je ne sais rien au-delà de ce que Sidney rapporte maintenant.